Comment on sort d'une telle soirée, d'un tel match ? Fatigué émotionnellement. C'est impossible de se préparer pour un match comme ça. C'était juste incroyable, les émotions. J'ai jamais ressenti ça dans toute ma carrière. Pourtant, j'ai fait 5 finales NBA, des finales européennes, médailles d'or, mais tu peux pas te préparer pour un match comme ça. Il y avait tellement d'émotions, j'étais un peu partout, quoi. Mais j'ai même pas pu m'échauffer. T'sais, le temps de dire bonjour à tout le monde, t'es content de voir tout le monde. En plus, j'avais la grosse surprise de ma famille où mes frères, ils ont fait le voyage. J'étais même pas au courant. Donc, direct, j'avais la chair de poule. Je fais, waouh, mes frères sont venus. Et c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Émotions, c'est dans mon cœur, là, dans ma tête. T'es forcément nostalgique. Et c'est vrai que les Spurs, moi, je pensais terminer ma carrière à San Antonio. Donc, c'est vrai que après, voilà, c'est le business. Et je suis content comment ça s'est terminé. Parce que quand je vois mon retour et l'amour que j'ai reçu, c'est incroyable d'avoir ça dans une carrière, une vidéo comme ça et le public qui scande ton nom. T'as l'impression, voilà, que t'as redonné à cette ville et ils te le redonnent.